Salut tout le monde, c'est BigGaming84. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto, un unboxing peinture sur un chariot assyrien du 7e siècle avant Jésus-Christ de la marque Kaisar. Moi j'aime beaucoup Kaisar. Je trouve que c'est des figurines qui sont d'assez bonne qualité. Le seul reproche à faire, c'est les plastiques qui sont tordus souvent quand ils arrivent. Ça vous le savez, notamment pour les fusils. Là, ça s'est fait sur les lances. Et sur une autre pièce. Donc j'ai commencé par monter le chariot en toute logique. Alors d'abord un petit conseil, montez la caisse supérieure, et après seulement vous montez le châssis. Voilà, comme j'ai fait, c'est le mieux honnêtement, parce qu'après vous avez juste à clipser la partie supérieure à la partie inférieure au châssis, c'est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est mon avis. Après vous pouvez monter les roues, les démonter. Alors moi je les ai montées là pour vous montrer. Après je les ai peintes à part. Je vous le dis. Voilà, j'ai tout peint à part. Donc, monter la barre supérieure, normalement, elle est censée aller jusqu'au chariot derrière. Mais bon, c'est galère, elle n'est pas assez longue. Voilà, c'est mal foutu. C'est assez mal foutu. Donc, j'ai sous-couché tous mes chevaux. Noir, marron clair, blanc. Et j'ai fait le dessus en vert. Donc, c'est un vert de chez PBO. Green Gold de numéro 66. Ensuite, j'ai utilisé une peinture un peu jaune. Alors, c'est Desert Yellow. Et un brun classique pour les roues, histoire de bien faire. Ensuite, j'ai repassé une autre vert, mais c'est le Signal Green de chez MIG. Alors, j'ai passé celui-là pour faire pour que ça prenne bien d'ampleur comme il faut. Et après, brossage à sec, de nouveau en Green Gold de chez PBO. Donc, histoire de varier un peu les couleurs, de faire un petit effet différent. Voilà. Et ensuite j'ai commencé à faire le rouge. Donc allez-y mollo sur le rouge, parce qu'après faire des petites touches d'éclaircissement à droite à gauche, il faut y aller mollo. C'est dur de suivre la ligne, il faut suivre la ligne inférieure de la robe du cheval, enfin de la robe, des espèces de parure. Voilà, faut faire la ligne en dessous. Donc je vous ai pris plusieurs fois la photo pour que vous puissiez bien voir ce qui a été fait. C'est que le début. Ensuite une ligne marron. Alors le cheval qui est en bas à droite, ça a été un petit peu raté un endroit, mais voilà. Alors la ligne marron plus ce qui est au niveau du cou du cheval, et après entre la ligne rouge et la ligne marron, on fait une ligne blanche. Ça rend pas bien sur la photo, mais vous verrez au résultat final, ça fait vachement bien. Le chariot ensuite, pareil, on a fait du vert, et là on fait toutes les lignes en rouge. Alors moi c'est un peu personnalisé, les trucs que j'ai fait qui n'étaient pas forcément à faire, mais j'aime bien. Les flèches en blanc, parce qu'il y a un archer qui va être sur ce chariot là, donc les flèches en blanc. Alors c'est dur de suivre la ligne parfaitement droit, donc voilà, je l'ai fait petit à petit. J'ai mis un brun très foncé pour le centre des roues, c'est le mieux, ça fait ressortir un peu la roue, ça fait un petit effet. Et j'ai fait le châssis d'une autre couleur, j'ai changé des idées. Décider autre chose, je sais plus le nom de la couleur, c'est un brun de chez PBO qui va super bien pour ça, que j'utilise également pour les chevaux. Si je le trouve, il est là. Donc c'est s'appelle brun numéro 29 de chez PBO, ça va super bien pour ça. Alors vous remarquez que le cheval noir a des traces d'éclaircissement à l'aérographe en blanc. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait là, ça montre. Ah oui, j'ai repeint un petit peu. Ici, j'ai fini, j'ai mis les petits bouts dorés, les petits boutons dorés sur le cheval, sur sa partie haute. J'ai fait les yeux et j'ai mis un petit peu de pointe au niveau des naseaux et dans la bouche du noir pour que ça ressorte bien. Et j'ai fait également la crinière, la queue en noir. Pour les hommes, du gunmetal tout simple pour faire l'armure. Et je vais faire beaucoup de variantes. Ensuite, je fais les parties rouges. Alors normalement, le conducteur du chariot n'est pas en rouge, mais là je l'ai fait en rouge. Donc rouge, vous voyez, il y a des lignes à bien respecter, tout ça. J'ai refait un petit passage argenté sur certains hommes, pour au niveau des armes, tout ça. Et là, la partie jaune qui est en bas de la jupe. Donc partie jaune, c'est un choix de couleur personnelle, hein, c'est pas obligatoire. Ensuite, la peau. La peau, il n'y a rien de spécial, j'utilise du skin tone de chez MIG, ça va très bien, ou de la couleur peau de chez Tamiya, ça va aussi bien. Donc voilà comment ça rend. Ensuite j'ai fait la barbe en noir, j'ai trouvé ça sympa, la barbe en noir comme ça. Alors
Pour ceux qui ne savent pas, qui ont critiqué ces derniers temps énormément, les figurines font 2 cm de haut. Bon, hein, c'est pas facile. Et ensuite, l'arc, 3 couleurs différentes, une pour la corde, une pour l'arc et une pour la flèche. Je trouve ça sympa, ça change un petit peu. Ensuite, on monte les chevaux avec le char. Alors, comme vous voyez, le cheval noir, j'ai fait des variantes de couleurs un peu blanc-gris. J'aime bien, ça change. Et ensuite, j'ai fait les yeux des hommes, avec les parties dorées et un brossage à sec sur la robe en ocre. Non, j'avais fait ocre et là j'ai fait jaune. Donc vous voyez, j'ai fait les yeux pour une fois, parce qu'elle a créé la critique de certains. Et c'est vrai, il me dit, tu fais pas les yeux. Bah ouais, c'est pas facile, j'ai pas la technique, mais là j'ai essayé. Donc j'ai fait les yeux, j'ai fait un lavis noir en bas des pattes des chevaux, il y en a un qui a été raté. Et sinon, un petit peu de touche blanche à droite à gauche sur les chevaux noirs là et sur d'autres chevaux. Je trouvais que ça faisait assez sympa. Ça change. Et un cheval, j'ai fait une tache noire sur le. Un cheval blanc et une tache noire sur la tête. Donc voilà. Et je trouve que le résultat final est assez sympa. Sur les roues, sur la tranche des roues, j'ai fait de l'argent sur les rivets. Et pour les boucliers, ils sont en marron moyen avec les rainures faites au crayon graphique. Graphite. Ça fait ressortir les lignes sans trop exagérer. Ça fait super bien, je trouve, j'aime bien. Donc ça, c'est les chariots de guerre assyriens. Donc voilà, bah en espérant que ça vous plaise, sur ce, bah n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit j'aime, à vous abonner, quoi que ce soit, n'hésitez pas, tant que c'est constructif, évidemment, pas comme les derniers que j'ai eu, que vous n'avez pas vu d'ailleurs. Bon, sur ce, à la prochaine!